Bonjour, bonsoir, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Soma. Ça fait une paye que je voulais découvrir. On me l'a surconseillé. J'espère qu'on ne me l'a pas survendu. Ça va être l'occasion d'aller dans les profondeurs de la terreur. Enfin, je l'espère. Et voilà, c'est tout. La réalité, c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête d'y croire. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Comment? Tout va bien? De ouf! Yeah, I'm up! Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. See you soon aussi, hein. Génial. Ok. Donc, je viens de repérer un truc. C'est qu'en effet, donc, ZQRD, tout ça, machin. Alors, je viens de repérer un truc, c'est que... On peut se pencher à droite et à gauche. Et les jeux où tu peux te pencher à droite et à gauche, comme ça, c'est juste pas bon, en fait. Ça veut juste dire que tu vas morfler. C'est juste... ah ouais, ça veut juste dire que il faut que tu te... Alors, deux secondes avant que tu râles pour trouver ton produit radioactif. Ouais. Ah. Ça. C'est un indice assez clair sur le fait que ce n'est pas un streamer. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. This weekend, okay. Or next. Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Excusez-moi, je... On m'avait dit qu'il y avait un jeu qui venait de sortir qui était très satisfaisant en termes de rangement. Hein? Alors, il... Est-ce que ça rentre dans l'aspirateur? Oui, moi j'étais le garçon qui disait dis papa comment on fait les... Albert Isaacson. Ok. Considéré comme l'un des ouvrages les plus complets et accessibles sur le sujet, ce livre décrit l'anatomie du cerveau humain, son fonctionnement et notre perception de la conscience. Découvrez les liens qui unissent notre cerveau et votre corps, la complexité du cerveau ainsi qu'une multitude d'autres informations passionnantes qui répondront à toutes les questions que vous vous posez. Cette édition comprend également deux nouveaux chapitres consacrés au développement du cerveau et à la façon dont celui-ci détermine notre comportement tout au long d'une de notre vie. Numéro d'ISBN nul. Oh cool, très bien ça. Très bien. Ne faites pas ça, hein, bien sûr. Je peux mettre les clés USB là. Non, je peux pas mettre là. Ok. Alors, le fan art d'Emmanuel Macron. Ok. 7-12. Très bien.
Bon rétablissement. Bisous, maman. Oh. Séance neurographie. Merci encore de participer à nos recherches. Le scanner sera effectué au laboratoire PASS de Toronto. Mais comme nous y sommes pas employés, nous devons nous contenter de créneaux horaires qui nous sont proposés. Je vais essayer de programmer l'examen pour samedi. Je vous raconterai comment vous confirmer le rendez-vous. Minchi, David Minchi. Cher Monsieur Jarret, je suis ravi d'apprendre que vos maux de tête sont moins fréquents. Vos derniers examens montrent que votre cerveau récupère progressivement. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur les éventuelles séquelles. Ce qui est sûr, c'est que les saignements vont se poursuivre. Excellent! Et que vous devrez faire quelques séjours à l'hôpital afin de drainer la cavité et d'empêcher le sang de faire monter votre tension. On va dire ça avec une petite... Une petite voix, genre un peu, tu vois, pinchy, tu vois, voilà. Dans la mesure où un stress excessif pourrait vous être fatal, je vous ai fait une ordonnance de prazosine pour vos cauchemars. Veuillez lire attentivement les indications, respecter la posologie. Ok. Bonjour, Jean. Ah, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est l'excuse des gens qui disent « Ah, t'as pas reçu mon message ?» J'ai oublié d'envoyer sur envoyer. Au cas où tu aurais oublié, je te rappelle que je ne viendrai pas travailler demain car j'ai rendez-vous chez le médecin. Essayez d'arriver à l'heure pour ouvrir le magasin. Pense aussi à des belles guerres rangées derrière le comptoir qui commencent à devenir encombrant. Et puis, les livres se vendent mieux quand ils sont en rayon, non ? Excellent. Mais c'est très bien vu comme analyse. Better late than never. Ouais. Bien. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Mon cerveau va très bien. J'adore avoir un jeu. Ok, une ordonnance avec un signe radioactif dessus. The Grimoire. Trop court, jeune homme. Ok. C'est ok. Bien. Summer's coming. Hope it's a good one. Yes! Ça dans mon équipe! Je rigole pendant que je le peux, hein. Sachez-le. Je pourrais pas tout le temps après. Allez. Allez, viens la petite chaise. Allez. Faut que je passe l'aspirateur. Attendez, j'ai une idée. J'attendrai la prochaine idée. N'importe quoi. Je dois avoir ici le produit radioactif. Bonjour, je cherche le truc radioactif. Tout le monde cherche dans son frigo comme ça. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer. Mais voilà, regardez. Ah, ça. Regardez, mon frigo il est rangé. Ok. Brosse à dents, ok. J'ai l'impression que ça part pas, hein. Dans mes poches, je sais pas. Non, je... Ouais. Il y avait un flacon, là. Parce que dans le frigo, il n'y avait pas de flacon. Il y avait de... Alors, Maillard, où en est l'enquête? On progresse. Dessus des meubles du frigo, peut-être. Hein? There it is. Yes! Je savais que je l'avais rangé! Ellipse, séquence suivante.
Incroyable! C'est fou quand même! Heureusement que je suis quelqu'un d'ordonné. Ok. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Oui, enfin, mec, tu te goinfres de... Voilà quoi. Tu vois? Je peux me permettre. Comment tu peux critiquer un produit radioactif? Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole... You know, dying thing. Dying thing? You're the excellent, worst support merci. Ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a phone booth. Un vrai poteau, hein? Avec le petit chargement de cerveau. Ok. Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? I thought this place would be busy. Ouais, moi aussi, parce que j'ai... C'est pas que j'ai à critiquer le fait que c'était pas une ligne 13, mais... Vous êtes mes pinceaux vivants! Oh oui, oh... Pardon, c'est moi. Un fan de culture pub. Ah, on va être piraté. Paul, où es-tu? On a quelques heures devant nous. J'ai pris contact avec Simon Jarrette. Simon, c'est moi. On va le faire. J'ai vu ton ordinateur portable à la réception. Tu es déjà là? Oui. Bonjour, Paul. J'ai pris contact avec les gens du PACE. Pour qu'on ait accès au labo cette semaine, j'ai réussi à réserver le scanner pour demain matin. Donc, on est vendredi, hein, c'est ça. Hein. Pas dans la vraie vie, là, ici. Ils disent qu'il n'y aura personne à la réception et qu'on pourra l'utiliser comme bureau. On aura accès à leur ordinateur pour exécuter les modèles. Quoi ? On aura accès à leur ordinateur pour exécuter les modèles si jamais un créneau se libère, ok. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelques tests demain en scannant mutuellement. En se scannant, monsieur... Mais... Où est-ce qu'on est, là? Les gens se... Ok. On se scanne l'un l'autre. Genre, et juste avant, ils boivent des trucs radioactifs. Et là, c'est du playtest! C'est du playtest! Ok. Pour vendredi, j'espère que le docteur Erin Peak nous enverra quelqu'un. Un patient qui a récemment eu un accident de voiture. Salut, c'est moi, le héros. J'ai trouvé un peu de temps pour aller au labo aujourd'hui. Malheureusement, personne ne nous avait prévenu que le code allait changer. Oh. Alors j'ai appelé la sécurité, parlé au professeur Wei pour qu'il se porte garant de notre projet. Mais quel projet? Mais c'est déjà un peu... Il y a déjà une question de projet, quoi. Genre un truc chelou, déjà. Puis j'ai pris contact avec un type du service juridique. Ok. Pour qu'il nous accorde une nouvelle autorisation. Bah ouais, non, c'est ça. Mais, moi non plus, pareil. Si le médecin doit faire lui-même des tests du scanner et que avant de tester, avant de faire le scanner sur un patient, il contacte le service juridique, regarde, c'est pas rassurant. Pas le droit de communiquer le code par email ou par texto. Mais je vais noter quelque part.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des... J'ai envie de faire comme la séquence du Joker avec Heath Ledger. Et je vais faire disparaître le crayon. Tada! 25-01. Ok. Mais beaucoup de gens disent qu'ils ont adoré Soma. Non, ça c'est ok. C'est 25-01. Non, elle est excellente, elle est incroyable la séquence. Chier. Anubis, merci d'avoir offert un sub à Cobalt, c'est très généreux de ta part. Très très généreux. Cobalt, je t'invite à faire la roue, cracher du feu et à prononcer un petit poème en alexandrin sur le thème des chaussettes. Coucou Ravé. Non, Jams. C'est pas moi, hein. Ok. Enfin, je présume que c'est là, mais ok. Ça va? Vu qu'ils ont playtesté le scanner avant, qu'ils ont contacté le service juridique, j'ai pas de quoi m'inquiéter. Oh. J'ai connu des colonies de vacances qui étaient moins inquiétantes, sachez-le. L'ordinateur qui est connecté à... au scanner. Il est vide. Eh bien, sachez que je suis contre ce scénario. Je vais faire un truc trop transgressif. Pas être à leur place. Quelle horrible personne je suis. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas le porter? Ah si, c'est un disque dur. Ouais, modem. Bon, bah maintenant qu'on s'est bien rassuré, je pense qu'on est au mieux. Regardez. Le scanner, regardez. Les câbles. On va les fils. Ça, c'est l'installation du scanner pour mon cerveau. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui appuie sur le rouge, là, qui appuie dessus avec le pied. Ça, c'est une installation de streamer. C'est ça, ok. Bon, bah, allons-y. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Non. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me. Ah, il est pas encore docteur, ça va encore mieux. Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction.
to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Est-ce que vous pouvez appeler Donald Trump, s'il vous plaît? Je suis beaucoup plus rassuré si c'est lui qui s'occupe de mon scan. Merci. Please, have a seat. Oh, est-ce qu'on peut patienter 12 secondes, s'il vous plaît? Bon, bah... Go, alors... Get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Fin du jeu. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Qu'est-ce que... This isn't funny! Na-na-na-na-na-na. I'm not supposed to put myself in... Mais... What is this place? How did I get here? Mais... I can figure this out. I just need to stay calm. I need to make things worse. Oh, ça rien de s'inquiéter, bien sûr. Franchement, est-ce qu'on a l'air inquiet? Sachez que je suis énervé! Voici le plan. Je me cache dans le coin. J'attends que la porte s'ouvre. Il se dirige en panique vers la chaise. Il arrive à la chaise, il voit la tasse et dit « Oh mon Dieu, le patient s'est transformé en Mog. » J'arrive derrière lui, boum, coup dans la nuque. Je prends ses vêtements, je m'habille en lui et je sors du complexe. Du sang au sol? Non, mais non, c'est pas du sang, c'est du... du carambar fondu. Pourquoi il y aura... C'est ridicule, mais pourquoi il y aurait du sang? Tu penses? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait de la peinture sur figurine. Franchement, je pensais pas que ça allait le faire. J'ai eu le réflexe qu'on aurait pu avoir dans un film d'horreur. Et je pensais pas que ça allait pouvoir le faire. Dans genre 200% des films ou des jeux vidéo, quand tu fais ça, ça fait juste ponk ponk. Et t'as le joueur, donc aka moi, qui se moque un peu et qui fait la vitre est trop invincible. C'est pas cohérent. Rendez-moi, mais pardon. Ok. Ah,
Ça a été scientifiquement prouvé que les extincteurs, ça déclenchait des mécanismes. Qualité dégueulasse. Ok. Bah bien sûr, c'est de la réglisse, c'est pas du sens, du Garand Mars, c'est une maison de Charlie la chocolaterie. Bien. Ok. Ok. C'est un ascenseur ça, hein? Non, c'est une salle de bain. Pourquoi la musique tu changes? Pourquoi tu fais ça? Ok, ok. Calière. Carl, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comms app. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? It's working better than expected. J'ai une sorte de psychométrie, voilà, c'est ça. Il y a un genre de psychométrie. Ok. Pourquoi tout est condamné en fait à... Ok. Bonjour, j'ai un extincteur et je saurais m'en servir. Hola, hola. Hola! Je capte mal! Ok. Non. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ça ne sent pas bon! Pathos 2. C'est quoi on dirait les... Twitter? Oh, je dirais pas que c'est moi qui suis... Vraiment, la chaise devrait réussir à bloquer la porte. Si mon plan est parfait, un vrai bunker. Je suis obligé de pousser les chaises pour passer. Ça marche. Créature de Satan!
Est-ce que je peux refermer ici? Non. Oh! C'est pas comme ça qu'on ouvre les portes à la base, ça? C'est bien, les gars. Ok. Attention, je suis armé, hein! Il y a un accent du Nord! Je saurais m'en servir! Ah, ça sert à ça. Je m'étais fait la réflexion. Pourquoi il y avait tu te penchais. Et dans un jeu de survie, si tu as une option, une touche pour te pencher, du coup, c'est juste. On l'entend marcher, hein. On l'entend renifler aussi! Il y a un gros rhume. François Hollande? Michel Vendetta? Mathilde. Bah c'est Mathilde. Ça c'est dégueulasse, vous voyez? La brume qui bouge. Tu crois que je t'ai pas vu la brume? On essaie de me minder. Meilleur cachet de l'univers. Mais renifle et tout. Comme pas sur la BD, ça fait moins le malin. Mais je suis très bon public sur les jeux d'horreur. Hein. Très très bon public. Hein. Alien, j'ai adoré. Sauf la dernière demi-heure que j'ai trouvé trop linéaire en fait. On entend Rediflay. Ça, cet effet, ça veut dire que c'est. Que c'est chafouin pour moi, potentiellement. Non, c'est là la suite, c'est là la suite. C'est sûr à 100%. Sinon, il n'y aurait pas cette sorte de bruit de cerveau. Du coup, je te fais pas. Quelque chose qui se bat là. Et cette chose semble porter des talons. Ça semble être des plus
plutôt des... Ah, des talons... taille basse, pas des talons aiguilles, je pense que c'est... Cette créature est coquette. Son expert... Ce sont des bottines à boutons. Heureusement qu'il n'y a pas le détecteur de voix. Pointure 27. Ah! C'est une créature de Satan, taille fillette. Je rigole. Je rigole. De quoi? Tu vois, je t'ai trouvé des étincelles. Il est là, hein. C'est Lucifer. Non, c'est pas Lucifer, parce que sinon il serait torse nu. Attends, je confonds. Je fais moi le malin maintenant avec les déchets là. Avec les débris et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ça me rappelle le début. D'Alien Isolation. En face. Oh, il y a un truc en face là. Non, on dirait pas. Oulou, oulou, oulou. On va attendre qu'il bouge un peu, on dirait. Surtout que la musique là commence un peu à s'emballer. Okay. Quoi, c'est au milieu là. Oh ok. Condomine, pousse-toi. Et on va faire tout le jeu à quatre pattes, hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'il se rapproche? Fraîcheur de vie, Hollywood. Je veux rien toucher, en fait. Des douches de pétrole, c'est ok, par contre... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce... Mais c'est pas comme ça qu'on joue à Twister! Il y a des bruits en plus de l'autre côté. Excusez-moi, je n'aime pas trop fouiller les poches et cadavres, mais sachez que la circonstance est atténuante. Oh, oh. Ok, tabac. On va afficher votre... Ah, j'ai appuyé sur tab. Oula. Une visseuse aussi. Une visseuse, ok. Ah, il faut peut-être lire le matériel. Il faut d'abord lire le... L'Omnitool est une interface avancée conçue pour accéder aux systèmes informatisés et assurer leur gestion et leur contrôle.
L'intelligence intégrée comprend un large éventail de comportements et de protocoles, permettant à l'utilisateur d'automatiser des opérations de routine par le biais de schémas logiques simples. Progressivement, l'OmniTool adapte automatiquement ses programmes en intégrant le comportement subconscient afin d'optimiser les tâches et de minimiser les erreurs de l'utilisateur. L'OmniTool émet un signal à courte portée très utile pour les opérations simples ou automatisées comme l'ouverture de porte. Pour les opérations plus complexes, l'OmniTool doit être physiquement connecté à un poste de travail ou à un terminal. Pour mettre votre appareil à niveau, faites simplement glisser les opérateurs vers l'emplacement principal ou auxiliaire. L'emplacement principal est doté d'un connecteur standard C1121, permettant à l'utilisateur d'intégrer la plupart des puces Cortex du marché à l'OmniTool. Notez que l'introduction d'une IA supplémentaire écrasera l'intelligence intégrée. L'emplacement auxiliaire est un multi-connecteur adapté à une large gamme de puces outils comme les modèles A1 113 39 8B, A2 090 101X, AITT 19, JUSI 329, liste non exhaustive, fermez la parenthèse. Ça se mérite, hein, toujours, hein. On n'est pas allé là. Ah, pas de lampe. C'est là où il marche en reniflant là. Vous l'entendez faire. On dirait un hamster nain russe qui ne demande qu'à explorer. C'est un coup à baisser la garde. Parce que. Comme. Ah. Christine Lagarde, c'est vous? Il y a qui d'autre comme Christine? Je sais pas si on l'a en main, hein, le matériel. Là, comme ça. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? Je sais pas. À la base, j'étais juste venu. You want some structure, Joe? Dans un endroit expérimental. Ok. Ok, d'accord. Ok, ok. Là, on n'y est pas allé, là. Ah, si, si, c'est. Toilette. Ok, faut que je fasse attention. Parce qu'il y a une chaise à air. Assez malin de ma part. Regardez, hop. Et je vais recondamner l'accès. Voilà. Là, c'est ok. Accès distance refusé. Ok. Système de secours, 13 jours. Je comprends rien. Ah. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue, Louise Meron. Votre OmniTool est en parfait état, mais il est mis d'aucun pouce. Notez que sans puce outil,
Votre kit TMT ne sera pas disponible. Vous n'aurez aucun accès à la sécurité intercité. Pour continuer à bénéficier de vos privilèges, je vais insérer votre puce. Ok. Puce Cortex. Mais non. Ok. Orientation. Nul. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't wanna hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Thetan. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Oui, good luck, facile à dire, hein. Bon, c'était mise à jour. C'était tout mise à jour, ok. Ah. Attends. Ça charge là, non? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Tool chip found. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai fait. On va mettre une seule, ok. On a mis une puce, du coup maintenant on peut mettre à jour. Ok. Toolchip security cipher updated. La mise à jour est faite avec la puce outil. C'est tout. Est-ce qu'on peut mettre une autre puce outil? Est-ce que je peux mettre. Je cours si je veux, là, je suis un... Siège de pilotage? Où est-ce que je suis? État du pilote. Pilote? Ouais. Tant que j'ai poussé la chaise, je peux accéder à cet endroit. Oh mais encore! Arrête la musique! It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Je trouvais ça sympa quand je cherchais des médicaments dans mon appartement. Hein. Ça c'est ok, ça c'est ok. Là je suis là. Je sais pas s'il y a une autre pièce hein, par là où on vient. Okay. Et on doit y aller.
Ouais, c'est un peu chiant. Dans l'appart, pendant qu'on cherchait des produits radioactifs, on était un peu... plus serein. Ouais, je sais pas les gens. C'est un papillon de nuit juste à côté de moi. C'est l'horreur. Je sais pas ce que c'est. Comment fait-il pour se promener avec des bottines à boutons? Ok. André! Tombé là-haut, hein. Chai, ça. Ah, oh ah, shit. Pas dû toucher le courgeux avec ma langue. Je... j'ai pas assez appris quand j'étais petit. Oh, quel gourgandin je fais. J'arrêterai, promis. C'est pas moi. Ça donne envie de faire Bioshock, hein. Bon, on arrête. Tiens, installation de Bioshock. Des machines psychotiques. Je suis très très fan de l'installation de notre plante. Hein. Ok. On peut pas fermer. Mais même l'ordinateur il fait bzzz et c'est genre un peu peur. Ah, il y a des petites particules et tout, c'est très sympa. On peut pas fermer la porte ici. Là, il y a de la brume. Okay. Il va se passer un truc. Ok. Observation tunnel. Break room. Tac, dis pas. Oh, ça charge. Peut pas ouvrir, pas bouger. On va prendre une douche de pétrole. Techniquement, je suis caché, hein, je suis du pétrole. Hein.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous faites ça? Non, mets pas ton doigt dans un orifice dès que tu le vois! Mais fais pas ça! Non! Demande d'abord, mais je sais pas. Et qu'est-ce que... Oh, t'es trop chelou quand même. Demain qu'il y a un cyber tentapoulpe avec la porte des enfers de la taille d'un index. Il fait « Oh, ben, je mettais mon doigt dedans !» Oh, quel coup de l'extincteur comme ça pour ouvrir la fenêtre. Mais ça, tu fais pas ça. Bien sûr. Évidemment, gars. Le mec s'est cru dans Existence, tu vois. Non mais, fais pas ça. Juste fais pas ça. C'est mon cœur là qui bat. Hein. Sa tête s'est dit, je sais pas ce qu'il se dit. Ok. Je sais pas ce qu'on se dit à ce moment-là. Ok. J'ai pas assez d'amandes, je crois que. On ne survivra pas. Ok. Génial, parfait. Non, non, faut pas. Vos rendez-vous médicaux, non. Enfin, le bon coin, c'est pas toi. Mais où est-ce que je débarque? À la base, j'étais venu pour une migraine, hein. Ouais, je ferme les mains. Qu'est-ce qui bouge? Je vais pleurer, ça continue. Je dis pas ça pour me faire plaisir. Hein. Oh! Non, je vais pas me lever, non! Là, comme ça. Hey, can you hear me? Mais. Tu vois un genre de bubon cancéreux par terre, géant, de la taille d'une vache, qui soigne du pétrole, qui est connecté à un ordinateur avec des câbles. Tu arrives, hey, salut. Wesh, gros, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu glandouilles, petite fribouille? Oh bah dis donc, tu serais pas en train de pomper des gigas là? Pardon! J'en fais quoi maintenant? Okay.
je suis arrivé à devenir un monstre normal. Ah. Non. Trouver du premier pont. Pardon ? Pardon ? C'est fascinant, il y a un côté fascinant dans le jeu. Mais repose en paix. Oh, what is it? What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? C'est tout? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Il va y avoir des monstres et tout, et des véhicules, des machins, et des... Ok. Ok. Alors, déverrouiller, c'est parfait. On a tout déverrouillé, liquide de refroidissement, c'est ok. Ça, c'est ok. Il n'y a pas encore Satan. Oui, je trouve que c'est un peu exagéré, ouais. Alors, on a fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? La pression, l'oxygène non disponible, intégrité de coque intérieure, parce qu'on est dans une base en fait. On est totalement dans une base sous-marine. Radiation, ok. Alors, mon hypothèse. Alors c'est, attention, pas de backseat. Hein. Attention. Mon hypothèse, c'est que la machine en question te fait explorer ton fort intérieur. Et que je suis dans mon cerveau, en fait, là-dedans. J'explore. Je m'explore moi-même. Soyez maniaque. Ok, je mets tendu. Je peux remonter par là. Je vais me cacher ici. Est-ce qu'il va y avoir une dose de... Ah non, bah, la dernière fois que j'ai consulté, ça s'est pas super méga giga bien passé en fait. Oh là là! En fait, ils n'arrivent pas à ouvrir parce qu'ils ont les bras. Est-ce que la porte ici va réouvrir? Voilà.
Je m'ai coincé là ? Monsieur ? Elle revient, elle revient. Ça marche plutôt vite. Ok. Non, non, tu m'as pas vu, mais impossible que tu m'aies vu. Impossible de niveau 1 en fait. Ok. Moi j'avais fait Alien Isolation, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas fait le DLC d'Alien Isolation. Ok. Je suis pas giga bien là, hein. Ok, ok. Il me semble qu'il y avait un DLC d'animation. Je vais prendre la verte caillou. Après, c'est une échelle. Aïe! Mais non! Mais ça, c'est dégueulasse! C'est quand même. C'est tellement pas legit! Je vais pas passer là. Loupe. Tu peux pas te retourner, tu peux pas. 5 ans d'entraînement. 5 ans d'entraînement. Et en fait, je suis pas bien, je suis totalement concentré sur le truc là. Ok. Se passe dans le Nostromo où tu incarnes Ellen Ripley. D'accord. Et au niveau ambiance, ça donne quoi ? Ouais. J'ai ouvert la valve. Et il y aura le tour ici. Faut que je fasse le tour. Faut que je fasse totalement le tour. Ah, je sais pas, c'est pas de spoil sur le DLC d'Alien, hein, je vais pas faire. L'étage. Je peux fermer là ? Yes ! Ah, je suis mieux là. Par contre, ouais, niveau cerveau, c'est pas ouf hein, là. Je suis toujours en mode chafouin là au niveau santé mentale. Sachez que si je balance tout, c'est uniquement parce que c'est pas bien. Devine. Code, c'est ok. Ça m'appelle totalement Deus Ex. Ok, usine centrale, toute administration, communication. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, niveau santé mentale, c'est pas ouf, hein. Encore une fois. Processus de confinement lancé. Ah! Gros clin d'œil! Bien vu! Très très bien vu, je l'aurais pas fait moi. Thank you.
Et je me sens pas super bien là, hein. Au niveau cerveau, c'est pas ouf là. Mais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'huile? Mais non, c'est du café. Bon, pour moi, ce serait pareil. Mais... J'arrive, je me heal, après je te heal. Qu'est-ce que c'est? Oh non, mais non, mais pas encore. Non, mais pas ton doigt dans la lumière. Ah, c'est du heal, ça! Si j'avais su... Pascal, hein. Ok. Ok, ok. Du heal, là. C'est quoi, je me pose la question depuis quelque temps. What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? Bof. No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Okay. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Mais non. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey! Okay, okay, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots actually want a way to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Could you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but... Nah, pretty far-fetched. Ah, ma théorie est un peu... Listen, I don't want to alarm tiré par les cheveux, but I think you might be trapped in the robot. Que vous n'avez pas, parce que vous êtes un robot. Your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. Ok. Faut que je trouve quelqu'un qui peut l'aider. Le souci, c'est que quand j'ai ouvert une porte par là-bas, le premier truc que j'ai vu, c'est quoi donc? Des petons. Et Cap, c'est un peu des dreadlocks, ça. Ouais, attention. Ok. Bonjour, monsieur le cadavre. Est-ce que vous seriez OP pour l'aider? Ok. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. Moi non plus. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Ah! Carl! Okay. Est-ce que Soma, ça serait pas le diminutif de somatisation ou quelque chose comme ça? Moi, je reste sur l'hypothèse comme quoi... Le mec...
il transpose, tu vois, ce qui lui arrive. C'est qu'on explore son cerveau avec la machine ultra chelou au départ. Et en fait, tout ça, c'est une projection de l'esprit. Une exploration, en fait. Theta, faites mes tours, nous avons commandé Epsilon pour assurer son fonctionnement, ne faites pas de bêtises. C'est un peu tard pour les bêtises. Ok, ok. On a le badge, probablement pour ouvrir des endroits. Hein. Très rassurant. Moi, ouais, il y a de l'eau là. Faut pas que je fasse ça. Ça va inonder. Mais je l'ai fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien là en fait. Et à l'autre côté, peut-être quelque chose en bas. Ah alors bah, je suis à. Mode exploration, hein. Ok, alors là, est-ce que... Non, rien. Peut-être retourner sur les pas ou ouvrir ici avec... Ah, peut-être qu'avec le pass, je peux ouvrir ici. Non. Mais normalement, oui. Enfin, normalement, la logique voudrait que oui. Je vais retourner. Genre de DPD. Madame. Là, il a demandé de l'aide. Là, il n'y a pas d'ouverture. Allez. Non. Il me demande d'aller par là, par contre, il n'y a rien. Là, on y vient. Ah, c'est très intriguant. Hein. C'est méga intriguant. Ok. Bon, bah, on le saura pour la prochaine fois. Faut mémoriser. Ou noter. Ok, alors. Faut des post-it, faut noter. Et ça, on n'est plus habitué, pareil, on n'est plus du tout habitué à ça, on le fait pas. Il y avait certains jeux sur lesquels on devait noter sur du papier des progressions, des avancées. Là, c'est un. Oh. La production d'énergie est stabilisée. Ça va condamner les usines pour faire tourner la centrale. Tous les systèmes superflus ont été désactivés. Si quelqu'un revient un jour, sachez que le régulateur de puissance ne tient qu'à un fil. Si vous actionnez le commutateur, vous ne pourrez sans doute pas faire marche arrière. Ok. La devine. Ok. Gestion d'alimentation. Puissance insuffisante. Ok. Ok. Single for. Première personne qui m'en a parlé. L'autre, c'était. Amiezao. État, niveau de production. 710 gigawatts. Ok. Journal, surchauffe de la turbine, canal, blackout, brûlage.
Il n'y a pas de désactivation ou de désactivation. En revanche. Ouais, le 0715, c'était bien une info chat. Hein, bon, jugez-vous vous-même. Ok. Je saurais m'en servir, hein. Marie Johnson! Donnez-nous un signe! Notez, notez. Cette boîte noire est l'instrument de précision destiné à observer votre état général. Elle mesure un large éventail de données, de votre température corporelle. Je connais cette rumeur. À votre activité cérébrale. Ah! Ces informations sont constamment transmises à l'unité gardienne. Waouh! De Pathos 2. Afin que la station vous fournisse un environnement approprié dans toutes les situations. Pour des performances optimales, soyez cool d'avoir une pub. Suivez à la lettre les instructions de l'auto-injecteur afin de... C'était dans Total Recall, hein? Dans le nez, hein? Bon, là, tout le monde n'a pas pensé dans le nez, mais bon. Sachez-le, moi je pensais à Total Recall. Hein. Et je vais Je suis obligé de me mettre ça. Est-ce qu'on peut faire connaissance un peu avant? Un kebab? S'il vous plaît. Ok, il reste là ou... Oh non, 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 où est-ce que j'ai? Où est-ce que je l'ai? Je crois que j'ai tendu l'indice. Après, si vraiment c'était important, comme on dit. On va regarder. Hein. Oh, on n'a plus l'habitude de faire ça. Dans Resident Evil Village, par exemple. Et ce qui était un peu trigger quelque part, bon, c'était le jeu. Pardon. C'est qu'on pouvait casser que les vases qui apportaient du pognon. Hop. La constance. Constance du rangement. Laissons Constance en dehors de ça. Oui, non, mais je veux bien, mais... Hein? J'espère que je vais pas activer un truc qui va lui rouler dessus, tu sais quoi? Genre il est coincé sur la voie, le truc il s'ouvre, t'as un truc qui fait tête net et il lui roule dessus. Ah mais non mais... Ah mais désolé. Pardon. Je... Ça va mieux? I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Non, des os, hein. Ah. Ok. Maintenant, il est au courant, maintenant. Ok. Hop là. Pratique. Bon, je peux toujours pas ouvrir là. Est-ce que j'ai ouvert là-bas? Ah, mais peut-être au fond à gauche là. Non, mais ne mettez pas vos doigts dans la lumière. Je peux me cacher théoriquement là. Il y a encore des bruits de... Ah non, attends. Je vais peut-être lire avant. Je vois le bouton nucléaire avec marqué en gros à côté d'indication type lisez ça. Et moi je fais... Oh, c'est quoi?
et vue extérieure comme ça, ellipse, et... Je vous rappelle que je suis le gars qui récupère des Kallax à Ikea, qui voit le truc et qui fait « Allez, est-ce qu'on a vraiment besoin du tuto ?» Et qui lance comme ça le manuel en arrière, le manuel au moment où il touche le sol, ça explose comme ça, je remets mes lunettes de soleil, et je vois les meubles, et un an plus tard... Moi je suis ce gars moi. Nous avons surchargé le système, si vous actionnez le, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Ne l'actionnez qu'en dernier recours. Aïe. Mettre le doigt dans la lumière ou actionner la bombe nucléaire. Fermez les yeux pour ceux qui craignent les explosions nucléaires. André ? Non, 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 t'as dit je cours, mais non, je cours pas, mais non, mais t'es... Non. C'est pas possible, tu m'as pas vu! André? Est-ce qu'est-ce qu'il a fait à l'autre? Je l'ai tué. Réveillez-vous. Mais non. Eve. Ok. Ah, je l'ai pas tué. Allez! Thank you.
activer le truc. Hein. C'est 0735. Non, c'était l'autre. 0722. Pas là. Non, 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 non. Ouais, c'est possible. Ferme, 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 ferme. Ok. Ça va partir de mal en pire, je pense. Hey, hello, Data. Donc Theta, c'est là où on est. We could really use direct contact with Heather. Non, Epsilon, c'est là où on est, non? Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all over. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ma théorie, c'est qu'on est en train d'explorer un genre de subconscient. Et ouais, j'ai le sentiment quand même qu'en tuant ou pas tuant les robots qui sont là, il y a une forme de décisionnel qui impacte sur la suite des événements. Hello, Peter, was it? Yes, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yep. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. What I like to hear. Plaisir, plaisir. Est-ce que j'en ai besoin? D'accord. Ah, un autre code. Ah, Epsilon, Theta. Il faut contacter Theta, là. Hein. 22. Hein, tous les codes, c'est 22. Osez me dire qu'il n'y a pas un truc, là. Ah. Ah, faut faire que, en sorte que le symbole se forme. Oui. J'ai l'impression d'avoir appelé mon opérateur internet. Tu sais, tu as 10 minutes de lobby et tu as quelqu'un qui te raccroche.
Ok. 22-01. Un cylindre comprend. 22-03. Ok. Ah. Ah. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... Yeah. Mais c'est quoi ce chose? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? C'est le pire. Oh là, oh là! Shit, 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 where do I... Where should I... Oh, je me glou-glou! Mais... C'est pas comme ça qu'il faut prendre une navette. Est-ce que je suis un robot? Mais non. On peut plus mettre le doigt dans la lumière. Que je dois sauter par... Ah, attendez. Hein? Ah. Ouais, bonjour. Le mec, il imagine plateforme, il imagine Mario, il imagine Sonic, il imagine Little Nightmares. Non, c'est juste... Il faut arriver au rebord, quoi. C'est très beau, hein. C'est très très beau, hein. Très très beau. Par contre, je trouve ça bien qu'ils aient pas proposé de la nage. Oh, la voix est trop cool. Hein. Parce que moi, j'ai été un peu refroidi sur la nage sur Sea of Thieves, même si c'est le jeu de mon cœur. Enfin, le jeu que j'apprécie un peu. Voilà. Les phases de full nage plus tir à 1080 degrés, c'est un... Allez, dans SSX et dans Tony Hawk's, ok, mais là, c'est juste relou en fait. Ouais, le fond marin, c'est... Mais c'est très bien transcrit et je trouve ça cool qu'il y ait pas... que tu sois pas en phase de nage là, ici. À défaut de l'être. C'est lent. Des petits poissons. J'avais un aquarium à l'époque avec des poissons ventouses. Des poissons nettoyeurs. Et j'en avais un qui était énorme. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était un. Le premier, c'était bien avant que les Roomba existent.
c'était le premier Roomba sous-marin, tu vois. Il était tellement énorme, j'entendais à chaque fois qu'il était en train de nettoyer la vitre. Stressé. Hein. Pourquoi ça s'allume quand je passe? Genre un détecteur de... Hein, mouvement? Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Oui, Hutch. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, you got the power automated, right? The plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. Ok. Très bien. J'adore les fonds marins, je suis fasciné par eux. Il y a plusieurs choses qui me fascinent, plusieurs choses que j'aime en termes d'immersion et tout ça. Là, c'est l'immersion de manière totalement littérale. Bon, est-ce que c'est du danger? Je pense que c'est du danger, ça c'est rouge. C'est rouge et c'est méchant. Bonjour, vous êtes du danger? Merci, info chat Mianco. Oh, c'est dangereux. Ouais, ça va, par politesse, je vais poser la question. Bonjour, est-ce que vous êtes la mort? Ça veut dire oui. Merci moi. Stylé. Upsilon. Tu m'accompagnes ou tu me montres le chemin? Mon seul ami. Tu restes à côté de moi, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que tu me montres pas la voie. Ah, je trouve ça super stylé. Ok. Je crois que tu vas aller quelque part et réparer. Petit bruit qu'il a fait quand j'ai... toucher son cybercucu. Comment je fais pour passer là? Comment je fais pour passer? Comme ça. First try, easy. Mais va-t'en! Mais oh, c'est incroyable. Oui, c'est rouge, c'est méchant. Et quand il y a le cerveau qui fait... qui vrille comme ça, c'est pas bon aussi. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre! Oh! C'est toi! Ouais, petit gars, ouais, c'est ça. C'est comme arrête de me suivre, en même. Dépressurisation, un truc comme ça. Le truc s'appelle Helper Jane. Désolé, mais... Ah, le secours!
dirait que c'est un ami en fin de soirée hein, quand il revient des toilettes, mais. Let's hope the shuttle still works. Espérons aussi. Moi je vous rappelle, je ne bois pas d'alcool. Where did I get a flashlight? Ah ben c'était pas trop tôt la petite lampe torche. Ok. Jackie, come in, Theta. You okay? What? I can't. Where are you now? Jackie, I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Okay. Somehow. Franchement, c'est trop chelou là. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le tunnel a été écroulé, donc très bien, hein, mais parfait. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'affreux maintenant? On y va en courant parce qu'on a rien à craindre, bien sûr. Oh! Madame! Madame! Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Oh là là. C'est horrible, c'est horrible. Ok. Alimenter, alimenter. Pardon, je me remets dedans. Are you okay? I don't know. I want to go home. Si elle est à moitié morte, elle est pas vraiment morte. Et puis, regardez, on trouve pas son corps. Allez, on pourra pas dire que. Voilà, elle est pas morte. Voilà. Oh fuck. Maintenant c'est maintenant tout va bien maintenant. Oh là là, c'est mal rangé cet endroit. Il n'y a plus rien d'affreux ne peut nous arriver maintenant. Non, mais non, bah. Oui. Techniquement. Ok. Oui, tu peux marier. Avec plaisir.
quoi? Qui? Ouvre-toi! Ah non, il y a la navette qui arrive. Ok. J'incarne. J'incarne la mise à jour Windows, en fait. C'est une allégorie. Pompe duplex. Ok. Notaire multi-usage. Ok. Jeu de soupape. Ok. Joint. Ok. Clé à choc. Ok. Twister. Ok. Non, c'est la... c'est une allégorie de la mise à jour, hein, mais c'est sûr. C'est sûr. J'ai fini de pleurer. Ah, ça fait plaisir. Coldorak. Go. Fly. Ah, pardon. Epsilon, ok, très bien. Il faut qu'on aille à... C'était à Theta, hein. Non, c'était à Lambda. Et on dirait trop, nous, quand on est dans le métro et qu'on se met tout devant. On va de... Ah, on va tous mourir! Regardez comment c'est trop stylé! Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Ok. Oh, ok. C'est... Oui. Alors non, je voulais m'expliquer. Je suis très mauvais en Uber. Ah, il faut que j'aille mettre mon doigt dans la lumière. Ok. Où est-ce qu'on est? C'est très stylé, hein. Franchement, c'est très immersif. C'est très immersif. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. Oh. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. Il y a un côté What's going on up there? Dead Space, hein. I gotta go. See you soon, Simon. Il y a un côté Dead Space d'ailleurs qu'il faut qu'on termine. Catherine? You okay? Sachant qu'il y avait une rumeur qui circule, je ne sais même pas si ça a été confirmé, qu'il y avait un Dead Space 4 qui allait être annoncé pour cet été.
Enfin, pas pour sortir, TV. Mais inquiète. Ah, voilà, mon doigt dans la lumière. Jesus Christ! What the hell? Ok. Un reboot remake de... Ok, d'accord. C'est ce qui était annoncé? Ok. Ok, ok, très bien. Oh non, bonjour! Je refuse de mettre mon doigt dedans, vous avez compris? Même si vous me proposez des cookies! Non! Ah ah! Non, non, non! Arrêtez de me séduire avec cette lumière! Non, c'est non, j'ai dit! Je ne me répéterai pas! J'ai un extincteur et je saurai m'en servir! J'ai. Ah, ok. Ah, c'était de la frime. Ok. Ah, je vais peut-être reprendre ça. En fait. Et c'est le premier truc que j'aurais dû faire. Ok. Ok. Oh, ok. Bon, une fois que t'as raison. Merci Zorin pour les 17 mois, un très grand merci à toi. Bienvenue à toi et reviens bien. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. Ok. Et là, il faut... Non, je peux pas pousser, je peux pas tirer, je peux pas... Ah, il doit y avoir peut-être une ouverture sur le côté, ou un couloir, ou un truc dégueulasse. Encore un truc dégueulasse. Oh, attends. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Regardez. Rangez votre chambre. C'est ce qu'on risque de trouver sur votre lit. Ouais, moi aussi, c'est un motif pour les Dead Space. Il y a Dead Space 3 que j'aimerais bien faire en duo. Dead Space 2 qu'on n'a pas fini. Attends, oh, ok. Oh non. J'explique. Programme Steam. Soma Exe R6025. Pure Virtual Function Call. Merci beaucoup. C'était méga aimable.